Oh,
Salut la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu est bon. Dieu est bon. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Osali maramoué. Osali maramoué. Osali maramoué. Rosali malamu ya ya nangai Ngai nabenga yonani ya ya Nabenga yonani ya ya Nabenga yonani yo Nabenga yonani ya ya nangai Mon ami fidèle Jésus Mon ami fidèle ya ya Mon ami fidèle, oh, mon ami fidèle, ya 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 Amen. Amen. Amen.
situation a mûri, oh. Jésus. Même si ta situation a vieilli, oh, Jésus. Un amen de Dieu. Amen. Même si les gens parlent, oh, Jésus. Même si les gens parlent pas des signes, oh, Jésus. Et moi je sais, oh, Jésus. Il va faire. Amen. Un amen de Dieu. Amen. S'il va faire, acclame le Seigneur. Oh, Éternel, je te bénis. Je te rends de multiples actions de grâce. Parce que toi, tu es mon rédempteur. C'est toi qui me tiens à la main. Oh, quand je me lève avec toi, Jésus, je suis très confiante. Parce que je sais, ça ne dépend pas de mes yeux, mais ça dépend de toi. Acclame le roi des rois. Et la main est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Je vous dis que je suis dans la joie. Amen. Et la main est bien. La joie déborde dans mon cœur. Parce que mon Dieu à moi ne dépend pas des circonstances de la vie. Amen. Mon Dieu à moi ne dépend pas aux choses que je vois, à la réalité que je vois. Oui, c'est une réalité. Mais la vérité, mon Dieu à moi, il fera. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'accroche à la Bible. Jésus. Je m'accroche à la parole. Jésus. Parce que la parole me dit, si elle est tarde. Attends là. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible ne me dit pas si elle est tarde, fuis. Alléluia. La Bible ne me dit pas si elle est tarde, assois-toi. Mais la Bible me dit si elle est tarde, attends là. Amen. Attends là. Amen. Attends là. Alléluia. Attends là, maman. Amen. Elle viendra. Alléluia. Elle ne viendra pas seulement, mais elle viendra. Alléluia. Certainement. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donné notre programme. Hein? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la semaine là-bas, c'est le mois de la femme. Hein? Amen. La semaine là-bas, c'est une dame merveilleuse qui nous a parlé. Amen. Je vous dis, l'Afrique, l'Asie, amen, l'Amérique m'a appelé. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris, on n'a pas besoin de 30 ans de mariage. Amen. Surtout nous, là, les anciens du mariage. Jésus. On croit que c'est l'âge pour devenir femme de valeur. Alléluia. C'est faux, hein? Mm-hmm. Emma a 2 ans de son mariage. Mm-hmm. Elle m'a enseigné. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. On va la faire revenir ici. Amen. Acclame le Seigneur si son mari permet. Amen. Alléluia. Ce n'est plus la fille de la JCC qu'on disait, eh, parce qu'aujourd'hui c'est toi. Mais c'est la femme de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il faut que le Seigneur et son mari donnent aussi l'oké. Amen. Nous sommes dans le mois de la femme. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette esprit? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen, amen, amen. Madame Boukassa nous a parlé. Elle a d'abord mesuré la responsabilité de la femme. Et les papas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler seulement de la femme aujourd'hui. Elle a même bien. Alléluia. Elle a mesuré les responsabilités d'une femme, les capacités d'une femme, les obligations d'une femme. Elle a même bien. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit son âge. Parce qu'elle nous a parlé de la JCC, de la jeune fille qui devait se conserver. Alléluia. Amen. Jusqu'au mariage. Un amen est bien. Amen. Et elle a conclu qu'une femme, ce n'est pas seulement le 8 mars, mais une femme, c'est une héroïne chaque jour. Amen. De son existence. Amen. Les papas, vous allez acclamer pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une mère, d'une épouse, d'une femme et de cette héroïne-là. Amen. Vous voyez, tout ça, là, c'est l'identité de la femme. Amen. Elle est d'abord une mère, elle est une épouse, une femme. Alléluia. Amen. Une aide semblable. Alléluia. C'est-à-dire l'adjoint à la mission de l'homme sur la terre. Amen. Et en conclusion, nous allons parler de cette héroïne-là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons parler aussi d'une dame. Si toi et moi nous sommes ici, c'est à cause de cette dame-là. Amen, 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 Madame amen, Olangi, amen. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur pour cette héroïne. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Maman Langui n'est plus, hein? Mais elle nous parle. Amen. Oh, voilà pourquoi elle avait dit, je ne m'arrêterai pas en chemin. Même étant le silence de la mort, maman Langui nous parle. Amen. Parce que c'est une femme de référence. Amen. Quelqu'un comme moi, si je veux prendre une décision, elle amène bien. Je regarde comment maman Langui tranchait les choses, mm-hmm. comment maman Langui faisait les choses, je me retrouve. C'est-à-dire, même dans le silence de la mort, même après son départ, elle continue à nous instruire. Amen. Il y a des choses qu'on fait, on se réfère à comment maman Langui a marché avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comment elle servait le Seigneur avec son cœur. Comment cette femme nous a appris qu'est-ce que la justice? Comment cette femme nous a appris comment se marier? Comment se fiancer? Comment même faire la table? Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je dirais que c'est une femme de référence. Amen. Une femme de grande valeur. Une héroïne. Alléluia. Amen. Parce que tous les jours, moi, maman Langui n'est plus, je n'entends plus, j'entends sa voix. Dans ce qu'elle dit. Ce matin, quand j'étais à la douche, j'écoutais sa prédication. Alléluia. J'écoute sa voix. Quand je veux faire quelque chose, j'ai dit, mais maman faisait comme. Amen. Et puis, il y a quelque chose qu'elle nous a laissé. L'héritage. Amen. La vision. Amen. Oh, je pensais que Dieu allait acclamer. La vision. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. L'héritage éternel. Elle amène bien. Amen. Vous savez, un jour, j'étais à l'aéroport de Lyon. Là. Alléluia. Elle amène bien. Amen. J'étais à l'aéroport de Lyon. C'est-à-dire, maman m'a appelé. Alléluia. Elle me donnait des instructions. Elle me parlait. Vous savez, sans... Je ne sais pas l'idolâtrie. Les gens croient que nous, on adorait maman Langui. Nous, on n'adore pas maman Langui. Nous, on respecte la chose qui était dans cette femme. On voyait Dieu dans la femme. Alléluia. Je me suis agenouée pour écouter l'instruction. Moi, pour comprendre bien, je m'agenouille. Elle amène bien. La personne qui était avec moi dit, mais maman n'est pas là, pourquoi tu t'agenouilles? Moi, je dis, fais ça seulement quand tu vois maman, parce que tu ne comprends pas maman. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une femme. La femme qui cache Dieu en elle. Mm-hmm. Et si je parle à une maman? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant que femme, vous cachez Dieu au-dedans de vous. Il faut que tu te reconnaisses qu'il y a Dieu en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, chez nous, la coutume est dit des deux Congo. Olina moi, Olina Ndoki. Ça c'est la coutume, ça c'est la sorcellerie. Elle amène bien. Amen. Si tu manges avec la femme, tu manges bien. Alléluia. Amen. C'est pas Olina Ndoki, Olina Nzambi. Parce qu'au-dedans de la femme, il y a Nzambi. Il y a Dieu. Amen. Alléluia. Ma bakère, au-dedans de toi, il y a un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le péché est rentré par la femme, n'est-ce pas, non? Amen. Ça tout le monde le connaît, non? Amen. Que c'est à cause de la femme que nous sommes maudits. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a fini avec ça. La voie de sortie aussi est venue par la femme. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, hein, il est monté comment? En chair et en os. Mm. Mais il avait la capacité de descendre aussi en chair et en chair et en os. Mm. Mais il n'est pas descendu en chair et en os. Mm. Il est descendu en passant par la voie de la femme. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a choisi aussi cette même femme-là. Amen. Non, voilà pourquoi moi je dis, là où on t'a humilié, c'est là où on va. Usi kaba chola kio kaka wane nzamba kotombola ye. Alléluia. C'est-à-dire là où on t'a humilié, c'est le monde. Voilà pourquoi j'ai dit maman Emily reste là. Alléluia. C'est seulement là où le Seigneur va te marier. Amen. Si le Seigneur va te marier quelque part, il n'y aura pas de succès. Amen. Il n'y aura pas d'effet. C'est là où les gens t'ont vu, Papa Michaud. Amen. Les gens t'ont vu là. Les gens t'ont donné les noms. Les gens t'ont émis. C'est seulement là. Amen. Où le Seigneur va te glorifier. Acclame le Seigneur. Reste là. Attends. Juste pour dire,
que la femme, tu n'es pas finie. Amen. Le Seigneur était déjà venu relever ta tête. Amen. Il est passé par tes voies pour venir Alléluia. Sur le monde. Il avait la capacité, Amen. Il avait la possibilité de descendre. Où? Alléluia. Mais il a dit non. Kakawane, Nzambakoto, elle amène bien. Parce que les, vous savez, dans la Bible, il y a aussi les chefs coutumiers. Elle amène bien. Il a dit, si je laisse comme ça, la femme sera martyrisée. La femme, alléluia, il a dit, je passerai par elle pour relever sa tête. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, la femme cache Dieu en elle. Elle amène bien. Je voudrais parler à un papa aujourd'hui. Les papas ont la mission de gérer la terre. Les papas ont la mission, c'est des chefs de famille. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Dieu leur a donné la mission. Dieu leur a donné le pouvoir. Amen. Mais sans la femme, tu ne peux pas réussir à cette mission. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est-à-dire pour qu'un homme soit réellement assis. Hein? Mm-hmm. Alléluia. Il faut une femme. Amen. Pas n'importe laquelle. Amen. Il faut une femme. Amen. Sinon, allez, on parle même de la soumission. C'est-à-dire, Madame Boukassa nous a expliqué. Elle amène bien. L'homme a la mission. Alléluia. Pour que cette mission-là soit une réussite, il faut une femme. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est, lis pour nous Genèse 1er, le verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Un amen. Et cela fut ainsi, parole du Seigneur. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible lit Genèse 1er, le verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1er à partir du verset 19. Ainsi il y eut un soir... Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu dans sa création. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Et moi, je vais continuer. Dieu dit, mm-hmm. Alléluia, uh-huh. que les eaux produisent en abondance les animaux vivants, Amen. Que des eaux, que des oiseaux volent sur la terre mm-hmm. vers l'étendue du ciel. Amen. Un amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Je veux sauter et je veux lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dieu prit la poussière. Alléluia. Amen. Avec cette poussière-là, un amène un pied. Il fabriqua qui? L'homme. Alléluia. Amen. Et amène Dieu. Amen. Avec cette même poussière-là, nous allons lire. L'Éternel Dieu forma de la terre toutes les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, de la même manière qu'il a fabriqué, de la même matière, la poussière de la terre qu'il a fabriqué l'homme, de cette même poussière-là, elle amène bien, il a fabriqué qui? Les animaux. Mais écoutez comment il a fabriqué la femme. Jésus. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris la poussière. Mm-hmm. Il a pris déjà la poussière qui a le sang. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. Une poussière qui est vivante. Jésus. Alléluia. Amen. Par cette poussière-là, il a créé la femme. Jésus. Et il a fait une femme mm-hmm. à partir de la chair. Donc, du côte, de l'os. Alléluia. Amen. Madame Boukassa nous a dit, pourquoi pas on a pris l'os du tibia. Mm-hmm. On a pris l'os d'ici parce que c'est une tour. Mm-hmm. La tour sert à protéger. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette tour-là sert à mettre un homme les pieds sur Amen. La terre. Amen. Un amène les pieds. Amen. Je suis venu dire à un papa aujourd'hui, mm-hmm. Alléluia, Amen. Tu ne peux pas. Mm-hmm. Marcher ou arriver là où tu veux, s'il n'y a pas une aide semblable qui est la femme. Mm-hmm. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'homme et la femme sont liés Jésus. Pour la vie. Mm-hmm. Moi, des gens qui se plaignent dans le célibat, ça me fait rire. Un homme qui a 40 ans, qui n'est pas marié, c'est la malédiction. Mm-hmm.
si je parle à quelqu'un. Nous sommes liés pour la vie. Alléluia. Pour que tu puisses réussir ta mission, c'est-à-dire de gérer. Si nous lisons, pourquoi j'ai lu la création? J'ai lu la création parce que Dieu a créé toutes ces choses-là. Il a donné à l'homme. Et amen et bien. Amen. Je veux encore lire le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Jésus. C'est-à-dire, l'homme a vu la création qu'on a lue. L'homme a vu le ciel. L'homme a vu la terre. L'homme a vu tout ce que le Seigneur a mis à sa disposition. Il a dit non. Il n'y a pas d'aide semblable pour m'aider à gérer ça là. Amen. Alléluia. Amen, amen, tu, c'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui. Yeah, si tu as quelque chose qu'on a cherché. Jésus. Tu as quelque chose que il a regardé les richesses, il a regardé la... Quand nous regardons, il y avait les fleuves, oh. Il y avait là où coulait le pétélium, il y a où coulait l'or, il y a où coulait tout. Mais cela ne lui a pas donné la joie. C'est les choses qui lui a donné la joie. Jésus, Jésus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen, amen. Tu as quelque chose que l'homme a cherché. Quand l'homme t'a cherché, au plus profond de lui, il a regardé, il a regardé, il a regardé, il a dit, mais il y a tout, mais il n'y a pas une aide. Il a regardé l'éléphant, comme des tonnes. Il a regardé l'hippopotame. Oh, au coca, il a l'hippopotame. T'es. Jésus. Tu n'es pas. Un amen est bien. Amen. Tu y es cette aide-là. Alléluia. Que tu as mis à la disposition de l'homme. L'homme ne peut pas aller loin s'il n'y a pas une aide. Amen. L'homme ne peut pas gérer. Vous savez, un amen est bien. Amen. C'est, vous voyez, un bon chef qui dirige bien. Ça veut dire qu'il a une bonne femme. Amen. À côté de lui. Amen. Même dans l'église, vous écoutez seulement, oh pasteur Loana, oh le pasteur a fait ci, parce que, alléluia, alléluia, ou l'aide à démissionner, ou je ne sais pas ce qui se passe, alléluia. Amen. Vous savez, c'est la femme est là pour stabiliser l'homme, amen. Pour donner l'essence à l'homme, amen. Pour aider, même si vous êtes chef. Même si vous êtes directeur, même si vous êtes centre péniel, il vous faut une femme. Amen. Pour aller loin. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu des femmes dans la Bible comme les Déborah. Nous avons vu les femmes dans la Bible comme les Jaël. Amen. Son pays était en tribulation. Aujourd'hui, voilà pourquoi on a fait ce programme. Nous cherchons des mamans. Amen, amen, qui vont amen, rester, amen. Qui ont dit, je laisse le lit, je laisse tout, je viens pleurer. Amen. Pour que cette chose s'arrête, Bandeko. Elle amène les biens. Amen. Nous voulons des Déborah, nous voulons des Jaël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des femmes, quand ils sont là, quand ils sont debout, le pays est en paix. Amen. Ce n'est pas le faiseur de troubles. Alléluia. Nous avons besoin de notre ère comme ça, les femmes, comme était Maman Langui. Même dans la mort, elle continue à nous parler. Elle continue à nous instruire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand le ministère là est né, il y avait trop de bruit. Alléluia. Il y avait beaucoup de bruit. Amen. Il y avait des critiques. Quand on parlait du combat spirituel, nous voulons des femmes qui osent. Vous savez, personne ne parlait de la sorcellerie comme avant Maman Olagi. Alléluia. Amen. Elle a pris ses risques. Aujourd'hui, à cette heure, nous avons besoin des mamans qui peuvent prendre le risque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Capable de prendre un risque pour sa maison. Des femmes comme Esther. Amen. Advienne qu'elle pourra. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des Déborah. Nous avons besoin des Jaël. Elle amène bien. Nous avons besoin des femmes comme était Maman Langue pour nos nations. Des femmes responsables. Des femmes qui peuvent s'asseoir. Des femmes qui peuvent dire non pour ma nation. Je quitte le lit. Je quitte la maison. Je viens dormir. Amen. Alléluia. Pas à terre. Des femmes responsables. Amen. Vis-à-vis d'elles-mêmes. Vis-à-vis de sa maison. Amen. Vis-à-vis de la mission de son mari. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et amène bien. Vous savez, je vous avais dit dans l'église,
Même dans la Bible, il y avait les chefs coutumiers. Oh, la femme ne peut pas parler. Oh, la femme. Mais c'est la femme qui cache Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la première évangéliste qui nous a annoncé que Jésus-Christ a ressuscité, c'est qui? C'est une femme. Alléluia. Alléluia. Elle amène bien. Alléluia. Nous avons besoin des femmes capables d'amener leur mari à être respecté aux portes. Nous avons besoin des femmes. Elle amène bien. Alléluia. On n'est pas femme pour s'habiller ou bien pour je ne sais pas quoi. Pour faire les publicités, pour être comme... Non, moi, vous savez, Vachi, hein? Son mari lui a dit, habille-toi, viens faire les défilés de mode. Vachi a dit non. Le temple de Dieu, ce n'est pas pour les défilés de mode. Acclame le Seigneur. Alléluia. Elle amène bien. Nous avons besoin de femmes qui savent trancher, qui savent protéger, qui savent prier, qui savent amener leur mari à accomplir bien leur mission. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Vous, je disais tout à l'heure, un pasteur équilibré, c'est-à-dire il y a une intercesseuse derrière elle. Quel est le travail qu'un homme peut faire sans l'appui de sa femme? Échec. Elle amène bien. Je suis venu dire à une femme ce soir, tu as Dieu au-dedans de toi. Tu es capable d'aider ton mari à accomplir la mission. Là où ton mari, on a dit indissemblable. Ça veut dire que là où ton mari ne peut pas arriver, toi tu peux l'amener. Elle amène bien. Alléluia. Vous savez, la femme, il ne faut pas la sous-estimer. Même toute petite, elle est capable de changer l'histoire d'une personne. Vous avez vu cette petite-là? La petite qui était chez le général de la marine. Nous allons lire. 2 Rois 5, 2 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 2 à 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre, parole du Seigneur. » Une femme, ça ne dépend pas de ton âge. Cette petite fille-là, elle était capable de parler au général, que, à la femme du général, elle dit à ton mari, il y a un problème. Parce que cette petite fille-là avait même déjà la foi à son Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es quel genre de femme? Est-ce que tu es cette femme-là où la nation peut compter sur toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es cette jeune fille-là où ta maison peut compter sur toi? Même si tu es en captivité. Aujourd'hui, tu es en captivité. Il te manque peut-être les enfants. Il te manque peut-être le mari. Il te manque peut-être l'argent. Il te manque peut-être quoi? La petite fille n'avait rien. Elle a parlé de son Dieu. Elle a changé l'histoire. Elle a changé l'histoire d'un général d'armée. Elle amène bien. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas n'importe quel général. Un Amen. Général est syrien. À l'époque, les Syriens étaient en train de faire peur. Mais cette petite fille-là, alléluia, Amen. A impacté la vie de ce monsieur-là. Jésus. Il a dit chez nous. Ah, elle était même évangéliste avant l'âge. Oh, Jésus. Il a montré à ce monsieur, alléluia. Dans mon pays, hein, y a un Dieu qui est capable de soigner ta lèpre. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes les femmes, pas pour les habits. Moi, je vois des fois la femme, elle est venue en train de faire la publicité d'un yaourt. Ça, c'est quelle femme, ça? Est-ce que moi, là, c'est-à-dire le Dieu qui est au-dedans de moi, on peut le mesurer avec un pot de yaourt? Alléluia. Amen. Je suis venu réveiller Dieu qui est au-dedans de toi, maman. Je suis venu dire à un papa, tu ne peux pas aller loin sans une femme. Une femme de valeur, une femme de prière, une femme qui craint Dieu. Tu ne peux pas aller loin. Tu seras ce papa-là qu'on voit dans les boîtes de nuit. Qu'on voit, vous savez, boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Pour que le monde là soit équilibré, il faut une femme. Amen.
Et puis, il y a femme, femme. On n'est pas femme seulement pour être, pour se faire belle. On n'est pas femme seulement pour bien s'habiller. On n'est pas femme seulement pour faire plaisir. C'est-à-dire, on te voit, oh, elle est coquette. Non, au-delà de la coquetterie, il y a Dieu au-dedans de moi. Il amène bien. Amen. Je ne suis pas femme seulement pour faire plaisir. Un objet de plaisir. Arrête. Alléluia. Amen. Je ne suis pas femme seulement pour aller à la maternité faire les enfants. Amen. Mais je suis femme parce que je suis l'équilibre de la terre. Alléluia. Je suis femme parce que ma mère, je pense à un Dieu puissant, un Dieu vivant qui peut apaiser un homme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis chez nous. Journée de la femme. Comment ils se battent pour les pagnes, comment ils se battent. Mais oh, alléluia. On n'est pas femme pour ça. On a une mission. Depuis la Bible. Alléluia. Pour donner l'équilibre aux gérants de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est femme. Vous savez, pour qu'un homme soit assis, s'il a une bonne femme, alléluia, l'homme est assis. Il va faire des choses bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vaut plus que de l'or. On vaut plus que ce qu'on voit. On n'est pas femme seulement. C'est-à-dire, il y a des gens où je dois montrer que je suis une femme. Concordance et tout, c'est pas ça. On est femme. Oui, c'est bien de s'habiller. Mais on est femme pour une mission. Moi, quand je regarde la Bible, je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend ça? Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'homme est là. Il faut une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es quelle femme? Jésus. Comment fais-tu cette mission-là? Tu t'arrêtes à la coquette. C'est coquetterie, on dit. Hein? Tu t'arrêtes à être coquette? Ou tu t'arrêtes à faire des enfants? Ou tu t'arrêtes à être belle? Ou tu t'arrêtes à gagner ta ligne? Alléluia. Amen. Tu caches Dieu en toi. Je suis venu ce soir réveiller. Dieu qui est au-dedans de toi, maman. Mm-hmm. Tu n'es pas femme pour les petites choses. Tu n'es pas, quel que soit ton âge. Nous avons vu cette petite fille de la Syrie. Alléluia. Amen. Nous avons vu cette petite fille de la Syrie. Ouais, maman Langue. Le pasteur. Oh, ça c'est quel message ça? Le combat spirituel, c'est les démons. C'est ça. Aujourd'hui, tous les pasteurs des deux Congo parlent du combat spirituel. Amen. Parce qu'il y a une femme résistante qui était là. Amen. Qui a dit, j'ai écouté la voix de Dieu. Moi, j'ai entendu ce que le Seigneur a dit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller les mamans. Notre rôle, c'est pas seulement que monsieur me voit bien avec la ligne ou quoi, non. Notre rôle, qu'il y ait l'équilibre dans ce monsieur-là. Notre rôle, c'est accompagner l'homme pour mieux gérer la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Cette petite fille, pardon, d'Israël, alléluia, a impacté un général syrien. Alléluia. Amen. Cette petite fille a dit, chez nous, il y a un Dieu. Alléluia. Elle a dit, et le général syrien est parti, il a vu aussi, il a été guéri. Même un bébé à la fois, elle amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vaux plus que l'or. Amen. 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 Tu vaux plus que les habits. Tu vaux plus que les perruques. Tu as Dieu au-dedans de toi, capable de donner l'équilibre. Alléluia. Amen. Non seulement à ton mari, mais à ta nation. Non seulement à ta nation, à ton église. Un amen est bien. Amen. Tu es capable, avec tes genoux, changer le cours de l'histoire d'une personne. Une petite fille l'a fait. Amen.
Un amen et Pierre. Tu es capable avec tes genoux. En ce moment-ci, nous n'avons pas besoin des femmes qui font trop de bruit. Les droits de la femme, l'égalité, c'est bon. Un amen et Pierre. Mais nous avons besoin des femmes qui savent parler par les genoux. Des femmes responsables. Quand elles voient la situation comme ça, elles viennent dire, maman, le corona là, ça ne finit pas, on doit aller à la salle. Nous avons besoin de femmes comme ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour changer l'histoire. Dieu a besoin juste d'une seule personne. Amen. Femme, lève-toi. Réveille-toi. Elle amène bien. Amen. Tu es responsable de ton mari. Tu es responsable de ta nation. Tu es responsable de ton église. Tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de tout ce que nous voyons. Un amen et Pierre. Tu es Déborah d'aujourd'hui. Tu es Jaël d'aujourd'hui. Tu es cette petite Israélite. Un amen et Pierre. Je ne sais pas si on a donné son nom, mais on l'appelait petite fille. Tu es capable. Amen. De changer l'histoire de ton mari, amen. De ta maison, de ta nation, de ton église. Tu es l'équilibre, tu es la béquille auquel l'homme peut s'appuyer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. L'homme et la femme sont liés pour la vie. Amen. Pour que les choses marchent, amen. Il faudrait qu'une femme à côté d'un homme, amen, amen. Pas n'importe quelle femme, mais une femme de valeur, une femme qui accomplit au-dedans de moi, cache la puissance de Dieu, amen. Une femme qui accomplit au-dedans de moi, cache Dieu. Adorons le Seigneur. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut. Nous voulons adorer notre Dieu, ce Dieu-là qui nous a parlé, ce Dieu-là qui est venu nous rappeler que nous sommes des ailes semblables. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit notre adoration. Cet après-midi, nous venons t'adorer. Car tu es l'unique qui est le véritable Dieu. Cet après-midi, nous venons t'adorer. Car toi, tu as relevé la tête de la femme. Cet après-midi, nous venons t'adorer. Car nous savons qu'il y a de l'espérance. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit notre adoration. L'unique qui est le véritable Dieu, c'est toi. C'est Dieu de papa et de maman, on l'a dit, c'est toi. Celui qui ne me laisse jamais, c'est l'enfant. Celui qui ne t'aime jamais. L'unique qui est le véritable Dieu, c'est toi. Oh Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Continue à parler à ton Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que tu es digne, digne, digne.
place de grâce parce que tu as reçu notre adoration. Et merci Jésus. Allez.